وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Serviteur d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets dans sourate Ibrahim: Ne vois-tu pas ceux qui tronquent les bienfaits d'Allah contre l'ingratitude et établissent leur peuple dans la demeure de la perdition. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le sens des versets dans sourate Al-Infitar: Ô toi l'homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur le Noble, qui t'a créé, puis modelé et constitué harmonieusement? Il t'a façonné dans la forme qu'il a voulu, subhanahu. Serviteur d'Allah, Allah t'a créé du néant. Il t'a guéri et préservé des maladies et t'a comblé de ses bienfaits apparents et cachés. Il t'a nourri, il t'a préservé de la faim en te nourrissant. Il t'a habillé pour que tu ne sois pas nu. Il t'a abreuvé pour que tu n'aies pas soif. Et à la place d'être reconnaissant, et d'être reconnaissant envers Allah en utilisant ses bienfaits dans son obéissance, l'être humain est ingrat, illa man rahim Allah. Sauf ceux qu'Allah a couverts de sa miséricorde, ils sont très peu. Et Allah Ta'ala dit, certes, si vous essayez de compter les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer, l'homme est vraiment très injuste et très ingrat, dans le sens des versets. Comment, ô serviteur d'Allah, tu rends Allah subhanahu wa ta'ala à la place des bienfaits qu'il t'a donnés, à la place de la reconnaissance pour ses bienfaits, tu lui rends de l'ingratitude? Comment, alors que lui te couvre de bienfaits et de grâces, tu renies cela, alors que tous les bienfaits que l'on a, cela vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que rien que pour une créature qui te fait du bien, est-ce qu'il est normal de lui rendre du mal? Alors comment Allah, qui t'a couvert de tous les biens et préservé de tout le mal, comment lui rends-tu à la place du bienfait du mal, c'est-à-dire du péché et de la désobéissance? Bien sûr, notre mal ne touche pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens des versets: Or, quiconque altère le bienfait d'Allah après qu'il lui soit parvenu, alors Allah est vraiment dur en punition. Subhanallah. Fils d'Adam, Allah t'a créé et voilà que tu adores autre que lui. Il t'a pourvoyé et voilà que tu remercies et que tu es reconnaissant envers un autre que lui. Il se fait aimer à toi par ses bienfaits et toi tu te fais détester à lui par tes péchés et ta désobéissance. Le bien d'Allah, il descend sur toi tous les jours et ton mal comme péché, il monte vers lui tous les jours. Oui, serviteur d'Allah, tous ces bienfaits, malgré la désobéissance, malgré les péchés, Allah Ta'ala ne les a pas interrompus, il ne les a pas coupés pour l'être humain. Même celui qui le renie, même celui qui l'insulte, même celui qui mécroit en lui, Allah lui donne la vie, l'eau, certains moments de joie, certains plaisirs éphémère de ce bas monde. Comment alors est le bienfait et la miséricorde d'Allah envers celui qui lui obéit? Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné le bienfait de la vue. Avec cette vue-là, tu peux voir et distinguer les choses. Et il t'a ordonné de l'utiliser dans son obéissance. Que tu lises avec ses yeux son livre, que tu regardes ses signes dans la création, que tu utilises cette vue pour des bienfaits de ce bas monde qui sont dans le licite. Mais à la place de cela, tu rends en échange de la désobéissance.
et tu te permets de regarder avec ses yeux ce qu'Allah a interdit et de suivre les défauts des musulmans ou de regarder ce qu'Allah a interdit dans la nudité ou ce qui peut être nuisible pour ta foi et ta religion. Est-ce que tu n'as pas peur du châtiment d'Allah ? Est-ce que tu ne sais pas qu'Allah est capable de t'enlever ce bienfait de la vue que tu as, dont tu jouis tous les jours ? Combien de gens, ils n'ont pas utilisé le bienfait qu'ils avaient de pouvoir marcher pour aller vers les mosquées ou les assemblées de bien, et du jour au lendemain, ils ont perdu ce bienfait de pouvoir marcher ? Combien de gens les écoutaient le haram et la musique et les choses interdites et la médisance ? Et ils ont perdu ce bienfait de pouvoir entendre. Combien de personnes utilisaient leur langue dans le mal, ils ont perdu la parole. Combien et combien? Et cela ne sont que des signes de ce bas monde. Mais le châtiment de l'au-delà est plus terrible. Et Allah peut tendre la corde à un injuste en lui donnant tout en ce monde. Mais quand il l'attrape, il ne le rate pas. Subhanahu wa ta'ala. Son châtiment est dur et douloureux. Alors rappelle-toi aux serviteurs d'Allah. Que tu désobéis à Allah dans son royaume, au-dessus de sa terre qu'il a créée, et en dessous de son ciel, et avec les bienfaits qu'il t'a donnés. Est-ce que toi tu accepterais, alors que tu es un serviteur faible, que quelqu'un te désobéisse dans ta maison, une personne que tu as honorée, un invité, tu as tout fait pour l'honorer, tu lui as donné tous les bienfaits, et lui il t'insulte, il casse tout, et il fait du mal à tes proches? Tu accepterais cela? Sa seule récompense, c'est que tu le virerais et tu lui interdirais l'entrée dans la porte de ta maison. Toi, tu es une créature. Qu'espères-tu en utilisant ces bienfaits d'Allah dans le mal? N'as-tu pas peur qu'Allah te rejette de sa miséricorde et qu'il t'interdise son pardon après que tu l'aies provoqué et tu as transgressé ses ordres dans son royaume avec ses bienfaits sur sa terre et sous son ciel? Subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu as la garantie que Allah t'a pardonné ne serait-ce qu'un péché parmi tes nombreux péchés? Tu rigoles, la bouche pleine, tu te remplis le ventre, tu te réjouis, tu jouis des plaisirs, et peut-être qu'Allah au-dessus de son trône est en colère contre toi et qu'il a écrit pour toi d'être éloigné de sa miséricorde et de son paradis, et toi tu rigoles. Crains Allah, serviteur d'Allah. Et rappelle-toi les bienfaits d'Allah sur toi. Et sache que pour chaque bienfait, il y a un droit. Le droit, c'est d'être reconnaissant envers Allah, subhanahu wa ta'ala. La reconnaissance, elle est dans le cœur et sur la langue et avec les membres. Que dans ton cœur, tu saches que ce bienfait vient d'Allah et que tu sois reconnaissant envers lui. Tu te sens redevable envers Allah et que tu saches au fond de ton cœur que quoi que tu fasses, tu ne pourras jamais rembourser les bienfaits qu'Allah t'a donnés. Jamais tu ne pourras être redevable comme il se doit. Puis sur la langue, en disant Alhamdulillah, en disant ceci vient d'Allah, par la grâce d'Allah, par la volonté d'Allah, par la protection d'Allah. Et non pas en disant grâce à lui, grâce à moi, grâce à mon argent, grâce à Allah seul. Seul. Puis, que tu utilises ce bienfait dans ce qu'Allah t'a ordonné. C'est ça le shukr, la reconnaissance. Allah te donne la santé, tu vas, tu utilises la santé dans le haram. Allah te donne l'argent, tu vas, tu utilises cet argent dans le haram. Allah te donne la vue, tu utilises cette vue dans le haram. L'ouïe, les enfants, le temps, tout ceci sont des bienfaits. Et le meilleur bienfait est le bienfait de l'islam et de la foi. Donc sois reconnaissant envers ton Seigneur. En utilisant tous ses bienfaits dans son obéissance et jamais dans sa désobéissance. Et si ton âme bestiale vient t'appeler à faire le haram, alors rappelle-lui, comme Youssouf alayhi salam, qui a dit qu'Allah me protège, mon maître m'a accordé un bon asile, c'est-à-dire l'aziz. Il l'avait accueilli chez lui. Et la femme de l'aziz, elle l'a appelé à faire la fornication. Lui a dit qu'Allah me protège. Mon maître, c'est-à-dire le mari de la femme, il m'a accordé un bon asile chez lui, il m'a accueilli chez lui. Innahu la yuflihu adh-dhalimun. Vraiment, les injustes ne réussiront jamais. Fanasa Allah subhanahu wa ta'ala yuwaffiqna jami'an ma yuhibbu wa yarda. Allahumma habbib ilayna al-iman
وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان والحمد لله رب العالمين وقل رب زدني علما.